c'est l'heure, réveillez-vous. Oh oui, on arrive. Réveille-toi, petit frère, c'est Noël. Oh ouais, c'est cool, mais... Allez, fais vite, fais vite, fais vite. Oh, crie pas, c'est bon, on a compris. Oh là là. Je vais allumer la lumière. Ah, c'est mieux comme ça. Bon, si ça fait autant plaisir à Cookie qu'on se réveille, on se réveille. Ouais, allez, c'est parti, on va aller manger. Faut que je me lève. Papa, maman! Oui? On ouvre les cadeaux quand? Bah maintenant. Ouais! Mais va chercher ta grande sœur. Sœurette! Quoi encore? Papa et maman ont dit que tu dois descendre pour ouvrir ton cadeau. J'arrive. C'est quoi mon cadeau? J'ai hâte de le voir. Youpi! C'est Kulbitopé! Wouhou! Je l'attendais trop! Alors, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc déjà, j'ai une très jolie valise. Et c'est encore emballé. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Oh, waouh! Du vernis rouge, du vernis bleu et un rouge à lèvres. Waouh, merci Père Noël! Enfin, même si j'y crois pas. Bon, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est énorme! Ouais, la dernière poupée qu'il me fallait! Mais c'est pas la même marque. Bon. Elle est super belle, c'est une souris en plus. C'était mon objectif d'avoir 10 poupées. Mais là, en fait, c'est pas une Barbie, mais c'est une souris, j'adore. Ouais. Oh, merci Père Noël. Bonne nuit les enfants. Bon, j'éteins la lumière. J'ai entendu un cri. Qu'est-ce qui se passe? Ah, notre fille! Oh, c'est horrible! Vite, appelons la police! Les enfants, réveillez-vous! Vite! Pas assez urgent. Oh. Bon, les enfants, en fait, nous avons retrouvé votre sœur morte. On vous croit pas. Bah non, mais c'est vrai. Vous avez le cap, venir en haut, vous allez voir. Des taches de sang par terre. D'accord, on arrive alors. Mais c'est une blague, il n'y a que du sang par terre. Qui a pu venir dans la chambre? En plus, la porte est fermée à clé. Nous parlerons de ça demain, chérie. Hein? Elle est de retour. Ah, il y a un mot avec le sang de ma fille. Non, c'est impossible! Non. Le voleur a laissé un mot avec le sang de notre fille. Il y a écrit que tous nos fils et filles vont mourir ce soir et demain. Oh, je ne le crois pas. Enfin, il va falloir fermer les portes à double tour tellement. J'ai faim ici, on allait prendre notre petit-déj. Oh, allez, on joue encore un petit peu. Bon, moi j'y vais, hein. Ah, le journal est par la fenêtre pour une fois. C'est trop bon. Papa, est-ce qu'on peut regarder la télé et après on peut aller dehors? Bon, d'accord. Encore une coupure du courant? Il se passe vraiment des choses bizarres ici. Papa, est-ce que maintenant on peut sortir dehors, s'il te plaît? Non, il est tard et en plus il faut bientôt manger et vous allez bientôt vous coucher. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit maman. Bon, j'éteins la lumière. Je vais tout fermer. Frérot! Bon, j'allume la lumière et je vais prévenir les parents. On arrive les enfants! Je ne comprends pas. Pourtant, tu as vu fermer toutes les portes à clé et les fenêtres. Alors le voleur est dans la maison. Il va falloir fouiller. Bon, j'ai vraiment pas envie de dormir dans ma chambre. Est-ce que je peux dormir avec vous? Oui, si tu le veux. Mais papa et maman, qu'est-ce que vous en faites des corps? Bah, on n'en fait rien, je sais pas où ils sont. Bon, je mets ma crème pour pas avoir de boutons. Et hop, dans le bain. La la la. Ah, il fait tout noir. Bon, je rallume. J'ai cru voir une ombre tout à l'heure. Encore? J'ai peur. Je vais te tuer. Alors depuis le début, c'est toi la poupée qui tue tous mes enfants?
Bah oui. Elle a disparu. Nos enfants. Nos trois enfants. Nos seuls et uniques enfants. Je vais aller les rejoindre. C'est-à-dire les rejoindre? Je vais me suicider. Si c'est comme ça, je te rejoins, toi aussi. Je vais me suicider. Un, deux, trois.